au foot avec nous? Oui, je veux jouer aussi. Orphel, tu as cassé mon pare-brise avec ton ballon. Pas dans ma voiture de police. Orphel, pas de casse. Tu vas aller en prison. Orphel est parti depuis si longtemps. Voyons voir où il en est avec cette balle. Marcel, transforme-toi en hélicoptère. Tu peux remonter ma clé à molette, s'il te plaît, Morphel? Merci. Tu n'aurais pas vu Orphel? L'officier de police Freeze l'a arrêté pour avoir cassé sa fenêtre. Mais elle s'est cassée quand ma clé à molette a atterri dessus. C'était un accident. Alors disons à l'officier de police Freeze ce qui s'est réellement passé pour qu'il puisse relâcher Orphel. Chatouilleur invisible. Oh! Tilly, tu peux réparer sa voiture pendant qu'on va le chercher? Morphel, transforme-toi en voiture de course. Agent de police Freeze, vous devez faire sortir Orphel de prison. Pas maintenant, Mila. Je cherche le chatouilleur invisible. Pardon. Ville. Je crois que je sais qui est le chatouilleur invisible. Te voilà, chatouilleur invisible. Donc, Orphel est le chatouilleur invisible et le casseur de pare-brise? Non. Je suis la véritable casseuse de fenêtres. Je suis désolée, c'était un accident, mais je l'ai réparé maintenant. Ah, merci. Orphel, tu es libre. Oui. Et je te rends ton ballon. Qui veut jouer au foot? Moi. Sur le toit. Morphel, aidons Hugo à récupérer le ballon. Frisic. Non, il nous faut quelque chose avec des ailes. Dragon. Oh, je ne peux pas atteindre le ballon. Ne t'inquiète pas, Morphel. Ah, c'est un dragon. Ah, c'est Morphel. Hugo n'a pas vu que c'était toi. Allons le chercher pour lui expliquer. Hugo, es-tu là? Barky? Qu'est-ce que... Oh, c'est un dragon! Reviens, Barky! Mais que se passe-t-il?
Quoi? Un dragon? Ce n'est pas un vrai dragon. Non, pas de dragon cracheur de feu dans ma ville. Allez, Oust. Oui, psst, allez, Oust. Morphel n'est pas un vrai dragon. Pas vrai, Morphel? Oh, Morphel? Personne n'aime Morphel. Coucou, Mila. Bah non. Je cherche notre nouvel animal de compagnie magique, Ampli. Il semble avoir disparu. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Le pouvoir magique d'Ampli, c'est qu'il peut rendre n'importe quel son plus doux ou plus fort. Et maintenant, tout le monde va pouvoir nous entendre partout. Oui, 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 oui. D'accord, mais maintenant, arrêtez ça. Non, vous allez arrêter. Oui, 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 oui. Ah, c'est tellement fort. Ah! Allons-y, Yann. Rendez-nous Ampli. Stan, Morphel n'est pas avec elle. Yeah. Et sans Morphel, absolument personne ne pourra plus nous arrêter. Mila! Morphel, à l'aide! Morphel, aide Mila! Morphel, arrive! Bouh! C'est drôle, Stan! Oui! Surtout ça! Morphel! Oh oh! Pas la peine de s'inquiéter! Les dragons ne peuvent pas se boucher les oreilles! Morphel, transforme des protections pour tes oreilles! Oh non! Maintenant, on peut s'inquiéter. Fuyons! Morphel, utilise ton feu pour arrêter les bandits! Wow! Un seul dragon, c'est pas assez pour nous attraper. Morphel, pas assez. Attention. Dragon. Morphel, utilise ta flamme pour piéger les bandits. Ils nous ont eu, Stan. Oui. Oui. Vous n'avez pas le droit d'être aussi bruyant dans ma ville. Vous deux, direction la prison. Mila, Ampli. Oh, je suis soulagé que vous alliez bien. Je crois que j'avais tort à propos des dragons. Je n'aurais pas dû vous chasser. Ouais. Nous vous attraperons toujours, alors vous devriez arrêter de faire des choses méchantes. Si seulement nous avions notre propre Morphel. Regarde, Stan. Hey, Morphel, j'ai une idée. Oh, un songe, rends-moi mon appareil photo. Oh. Eh,
Est-ce que c'est pas génial? Quoi? Comment est-ce que vous êtes sorti de prison? Ah, pas dans ma ville! Oh non! C'est l'officier Freeze! Pas de problème! Orphel, transforme-toi en dinosaure! Un T-Rex? Oh non! J'ai pensé quand même que tu allais être un peu plus gros, dinosaure. Bah, mais c'est quoi ça? Oh non! Tu aurais pu empiler les voitures un peu mieux, Arfel. Merci, Marfel. Les bandits et leurs singes ont mis mon appareil photo là-haut et ils se sont enfuis. Les bandits se sont enfuis avec un singe? Nous devons les poursuivre, Marfel. Les bandits ont utilisé une grue pour faire ça. Ils avaient aussi une grue? C'est vraiment étrange. Merci, Marfel. Là! Oh! Les bandits! Et ils ont Orphel avec eux! Arrêtez les bandits! Oh! C'est Mila et Orphel! Oui! Mais nous avons Orphel! Transforme-toi en quelque chose de grand! On pourrait pas avoir des sièges ou quelque chose? Oh! Tu t'es transformé tellement vite que nous avons failli tomber. Fais attention. Tu ne peux pas aller un peu plus vite? Notre espace est beaucoup trop petit. Yeah, donne-nous un peu plus de place, Orphel. Ça suffit. Bandit, pas un prison pour jouer. C'est ce qui arrive quand on est tout le temps méchant, les bandits. Mila, Norfel, vous devez apporter cet œuf à Oncle Mortimer avant qu'il n'éclose. Il y a son nouvel animal magique à l'intérieur. Vite, Norfel, change-toi en voiture. Bonne chance. Un embouteillage. Oh! Évite les voitures, Marfel. Maintenant, on évite ces feux rouges. Oh non! L'œuf commence à éclore. Il faut qu'on aille plus vite. Marfel, change-toi en voiture de course. Mais cet animal magique est super, super rapide.
Félicitations! Vous avez gagné ce gros bébé en peluche! Waouh! Marvel, transforme-toi en bras musclé! Oh! Oh, bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que Animi peut m'aider sur le chantier? Bien sûr. On revient bientôt. Dépêche-toi, Animi. Et voici Éléphantéus. C'est le plus grand animal magique que nous ayons. Mais je n'ai pas le temps d'aller le promener. Vous voulez bien le faire pour moi, Mila et Murphle? Oh, bien sûr, papa. Thank you.
avec Elephantéus. Ok, c'est à nous. On va t'attraper, gros Elephantéus. Ah, vous voilà. Alors, tout s'est bien passé? Oui, papa. C'était super. Hé, où est passé Troy? Fichons-lui la trouille. C'était tellement drôle. Est-ce que tu as vu le... Morphel, transforme-toi en robot. Je suis désolée de vous avoir joué ce mauvais tour. Ok. Amenons ce poisson puant de Troy à la maison. C'est la meilleure soirée pyjama d'Halloween de tous les temps. C'est surtout la soirée pyjama d'Halloween la plus puante de tous les temps. Choses amusantes aussi. Ah, j'ai une idée. Glitterpot peut nous transformer en animaux de compagnie magique. Waouh! Tu peux nous transformer en Morphel? Gagne.
Génial! Transforme en hélicoptère! Oh, oh. Wow. Wow. Cela ne promet rien de bon. Suivons-les. C'est pas facile. Oh. Transforme-toi en avion, Agnès. Transforme en balle rebondissante. N'ayez pas peur, monsieur, je suis ici pour... Je veux être un robot cette fois-ci. Ah, oups, désolé. Oh, j'ai une autre idée pour l'attraper. Travaillons ensemble. Morphel, transforme-toi en cage. Pas dans ma ville. Ouais, on l'a fait. Vous avez causé beaucoup de problèmes dans la ville. Je suis désolée, Mila et Morphel. Je ne devrais plus être un Morphel. Peux-tu nous retransformer, s'il te plaît, Glitterpod? Non! Je m'amusais tellement! Oh, Barky! C'était vraiment amusant. Mais être un Morphel était si difficile. Je suis heureuse d'être à nouveau moi-même. Et il n'y a qu'un seul Morphel et une seule Agnès. Et je vous aime tous les deux. Morphel, un monstre vient de cambrioler mon épicerie. Il est parti par là. On est sur l'affaire. Mais d'où vient cet argent? Allons voir comment vont mes poulets. Mes œufs!
éclats. Oh, Murphle, oh, oh, un monstre géant vient de voler tous mes œufs. Oh, 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 c'est pas possible, mes œufs. Oh, mes œufs, on a volé mes œufs. Hé, hey, cet argent était-il là avant? Non, non, il n'y avait rien. Youpi! Voilà plein d'argent. Je crois que c'est le monstre qui l'a laissé. Peut-être que ce n'est pas du tout un voleur. Regarde, Marfel, des empreintes. Pourquoi crois-tu qu'il avait besoin de tous ces ingrédients? Morphel sait pas. Ah, regarde! Pour faire un gâteau d'anniversaire! Ok, il faut couper cet arbre. Morphel, transforme-toi en machine à couper les arbres! Vas-y, Morphel, à toi de jouer! Morphel aime couper les arbres! La grosse tempête d'hier a arraché beaucoup d'arbres. Et ceux qui ne sont pas bien enracinés peuvent tomber d'un seul coup. Et ça peut être très dangereux. Morphel adore abattre les arbres. Oh non, regarde. Oh, nom d'une éprouvette. Vous allez bien, professeur Rachid? Je vous présente ma dernière invention. Tout ce que je vise avec elle devient très grand ou minuscule. De la forêt maintenant. Il faudra des années pour que ces arbres repoussent. Morphel, désolée. Attendez, j'ai une super idée. Professeur Rachid, pouvez-vous nous prêter votre invention? Merci de nous avoir amenés, Mila et Murphle. Maintenant, je peux faire visiter la ville au géant de la montagne. Pas de problème, papa. Amuse-toi bien pendant la visite. Allons-y, Murphle. Transforme-toi en voiture de course. Tiens, mets ça. Comme ça, personne ne pourra deviner que tu es un géant de la montagne. Géant de la montagne, doucement, c'est bon, n'aie pas peur. Arrête, reviens. Ah, ah, pas dans ma ville. Que se passe-t-il? C'est un grand type qui a fait ça! Un immense!
immense gaillard avec des lunettes et une moustache. On dirait le père de Mila. Je m'en occupe. Attendez, pourquoi vous m'arrêtez? Vous avez ruiné ma ville. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous l'avez fait. Papa, que s'est-il passé? Mila, Murfle, allez chercher le géant de la montagne. Je crois qu'il a très peur. Et par pitié, sortez-moi de là. D'accord, on s'en occupe. Je suis sûre que si nous suivons le chemin de la destruction, nous trouverons le géant des montagnes. Transforme-toi en voiture de course, Murfle. S'arrête ici. Donc il doit être quelque part par ici. Ah, vous voilà, monsieur le géant des montagnes. Vous allez bien? Bien. On a besoin de toi pour nous aider. Papa est en prison pour tout le bazar que tu as mis en ville. Est-ce que tu voudrais bien nous aider à nettoyer toute la ville? Un monstre! Non, monsieur l'officier, c'est l'ami de papa, le géant des montagnes. C'est lui qui a mis le bazar dans la ville. Il est vraiment désolé, mais il a remis toutes les choses à leur place. Bon, d'accord. Et je ne peux pas vous mettre en prison, de toute façon. Vous êtes bien trop grand. Vraiment? C'est vrai? Et vous êtes libre de partir aussi. Merci, officier. Merci beaucoup d'être revenu et d'avoir blanchi mon nom, monsieur le géant des montagnes. C'était très courageux de votre part. Murfle, transforme-toi en grue. Je t'ai trouvé. C'est à ton tour de te cacher, monstre des nuages. Je t'ai trouvé. C'est tellement amusant quand vous êtes là. D'habitude, je joue à cache-cache tout seul. Et je ne trouve jamais, jamais personne. C'est encore pire quand c'est moi qui me cache. Murfle et moi ne sommes jamais seuls parce que nous sommes ensemble. Vous savez quoi? Je sais comment on peut t'aider à trouver un meilleur ami. Avec ce pistolet magique que j'ai emprunté au professeur Rachid, on peut te fabriquer un ami. Oh oui, un nouvel ami.
Hein? Bonjour, mon ami. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis le monstre des nuages. Comment tu t'appelles? Allez, joue à cache-cache. Vas-y, trouve-moi. L'ami, viens me trouver. Oh, même l'ami que tu m'as fabriqué, il ne veut pas jouer avec moi. Je pense juste que ton nouvel ami n'aime pas jouer à cache-cache. Je crois plutôt qu'il préfère jouer au ballon. Mais j'aime bien jouer à cache-cache. Alors pourquoi ne pas créer un jeu qui est à la fois un jeu de cache-cache et un jeu de balle? Oh là là, cachons-nous, il arrive. Oui, oui. Trop rigolo. C'est toi, papa. Coucou, Phoebe. Je vais t'attraper. On joue à chat. Tu ne m'attraperas jamais. Allez, Murphel, on peut l'attraper. Hein? Où sont-ils? Mila, Morphle, sortez, sortez, où que vous soyez. Mais où peuvent-ils être? Je crois qu'ils sont dans la chambre. Ils doivent être sous le lit. Oh. Oh.
chute. Attrape-moi si tu peux. Chat, je t'ai attrapé. Tu ne peux pas m'attraper, tu ne peux pas m'attraper. Regarde, Morphel, il y a des dinosaures partout. Mila et Morphel, que pensez-vous de notre nouveau parc de dinosaures? Parc de dinosaures? Oui. Le professeur Rachid et moi avons transporté ces dinosaures à notre époque. Parce que tout le monde aime les dinosaures, n'est-ce pas, mon cher ami? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas dangereux? N'importe quoi. Ces dinosaures-là ne mangent pas les gens, voyons. Eh bien, c'est bien. Par contre, ce T-Rex dans la cage... ça ne semble pas très sûr. Ne vous inquiétez pas, c'est la cage la plus solide du monde. Mais ne touchez pas à ce levier. Il contrôle la porte. Regardez. Le levier est coincé. Tout le monde, courez! Vite, Morphel, transforme-toi aussi en T-Rex. Retour au passé. Mila, deux des dinosaures se sont échappés en ville. Si tu les amènes ici, je pourrai les renvoyer dans le passé aussi. Très bien. Alors, allons-y, Morphel. Transforme-toi en hélicoptère. S'il vous plaît, arrêtez! Ce n'est pas un arbre! Il doit avoir très faim. On peut l'attirer avec quelque chose à grignoter. Transforme-toi en robot! Aime cet arbre, Morphel! Ouf! Oh là là! Se passe quelque chose en dehors du parc. Pousse-toi de là, mon pote.
Oh! Il est fort, mais pas autant que toi, Morphel. Transforme-toi en bulldozer. Merci, Mila et Murphel. Sans vous, on aurait été dans un sacré pétrin. Un travail remarquable. Mais que faire du parc? Il a l'air un peu ennuyeux sans les dinosaures. Eh bien, et si vous organisiez un pique-nique? Oui, un pique-nique avec des dinosaures. Hein? Moi, je n'ai pas d'argent, Winston. J'ai pensé que tu en avais. Si tu n'as pas d'argent, tu vas devoir voler le camion de glace. Je veux des glaces. Viens vite, ta camionnette a une fuite. Il y a de la sauce au chocolat partout. Ma pauvre camionnette. Voleur! Murphel, transforme-toi en... Oh! Oh! Ah! Mila! Oh! Glace! Quelqu'un a soif? J'ai apporté plein de jus de pommes frais de la ferme. Oh non! Vite, allons le chercher. Je pense qu'on a besoin d'un animal magique pour nous aider. Grave! Ouais! Il peut soulever des choses. Les voilà! Tiens bon, Murphel, on arrive. Grave, soulève-nous au-dessus de la rivière. De crème glacée et tout le monde a tellement soif. Oh, j'ai une idée. Papa, on peut partager ton jus de pomme avec eux. Bien sûr, bonne idée. Murphel, transforme-toi en machine à granité. Glacé à la pomme. Ouais. Ah, ouais.
c'est vraiment délicieuse. Je crois que je vais l'ajouter à mon menu. Ouais! Salut, je suis Mila et mon animal de compagnie magique Morphel peut se transformer en tout ce que je veux. Salut vous deux! Bienvenue dans notre monde magique. Voulez-vous venir jouer avec nous? Oh, mais bien sûr! Nous allons bien nous amuser. Allez, suivons-le, Morphel. Joignez-vous à nous. Prenez une tasse de thé et un cupcake. Oh, merci! Le soleil se couche. Alors nous devons mettre les étoiles dans le ciel. Pouvez-vous nous aider? Bien sûr! Cela a l'air très amusant! Moi et mes amis pouvons vous aider. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Waouh, cet arc-en-ciel est magnifique. Merci beaucoup. Morphel. Ah, au secours! Ah, non, pas dans ma ville! Ah. Vite, il faut ramener le tigre aux eaux. Ok. Ah, regardez-moi ça! Une météorite! Orphel, arrête la météorite! Ah!
Maintenant, la météorite se dirige vers la ville. Ah non! Arrête la météorite, Morphel! Bon travail, Morphel! Tu as arrêté la météorite! Tu es vraiment un super-héros, Morphel! Laissez-nous partir! Non, non! Nous avons besoin de vous pour notre piège pour attraper Morphel! Au secours! Au secours! Oh non! Nous devons les aider! Morphel, super-héros, au secours! Morphel, stop! C'est un piège! Morphel, aide! On t'a attrapé, Morphel! Attends! Ce n'est pas Morphel! C'est Morphel! Il est ici, Morphel! Morphel, peux-tu amener l'agent Freeze ici pour arrêter les bandits? Qu'est-ce que tu... Oh! Les bandits! Merci, Morphel! Merci de nous avoir sauvés, Morphel! Tu es un vrai super-héros! Morphel, change-toi en ballon de basket! Ok, Agnès, jouons! Nous aussi, on veut faire une partie de basket. Oh. Ok. On a le ballon en premier parce que nous sommes grands. Voilà. Hey, vous ne pouvez pas toucher mon chapeau et vous ne pouvez pas marcher avec la balle. C'est contre les règles. On est des pirates. Nous n'aimons pas jouer selon les règles. Préférez pas jouer avec notre ballon plutôt qu'avec le vôtre? Je veux dire, le vôtre est sale. D'accord, mais ce sera mieux. Bien joué, Phil! Hein? Presque, mais pas assez bien visé. Oh, tu as fait tomber le ballon. Ben, c'est pas ma faute. On dirait que la balle est vivante. Deux points pour nous. Il y a quelque chose de bizarre avec ce ballon. Je crois que c'est Morphel, Maurice. Quoi? Mais c'est contre les règles? Vous devez jouer au basket avec un vrai ballon. Je pensais que les pirates n'aimaient pas jouer selon les règles. Ouais. Eh bien, non, ce n'est pas drôle du tout. On devrait peut-être suivre les règles, Maurice. Je veux dire que tricher, c'est pas très drôle, finalement. D'accord, je suppose. Ah ouais, j'adore le basket. Ouais, c'est trop amusant. Je suis le plus fort de super-héros. Je soulève facilement cette voiture. Morphel, nous allons l'aider. Je suis aussi un super-héros et je peux voler. Oui! Wouhou! Oh,
Au secours! Au secours! Barky veut seulement jouer. Il ne meurt pas. Enlevez cette chose de là. Laissez cette femme tranquille, monsieur. Oh, et puis je m'en fous. Merci beaucoup, super-héros. Qui puis-je remercier? Comment vous appelez-vous? Je suis... On ne peut pas le dire. Nous sommes des super-héros masqués et nos identités sont secrètes. Rendez ce trophée! Je les garde. Je n'ai jamais eu de trophée au lycée. Yeah, maintenant, je suis officiellement le meilleur danseur de ballet. D'accord, d'accord. C'est bon, on vous rend les trophées. Non, non. Vous pouvez garder celui-là. C'est écrit... le meilleur pour se faire attraper. Nous sommes des champions, Stein. Yeah. Nous sommes ici avec les personnes qui ont sauvé les trophées de la ville. Nous avons une question pour vous. Qui êtes-vous? Nous ne pouvons pas vous le dire. Nous sommes des super-héros masqués. Et nous... Je suis Troy. Je suis April. M'envole. Regardez, Mila et Merfeul. Voici ma dernière invention. Tout ce que je zappe avec ma machine devient très grand ou très petit. Wow! Nom d'une éprouvette, elle a disparu. Maintenant, on est les bandits du bâtiment. M'envole, poursuivez. C'est Merfeul. Prends ça. Quoi? Oh. Ma maison. On va prendre le poste de police. Hey, vous deux, stop! Sale bandit! Attendez, j'en ai fini avec vous. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je vais vous attraper et vous mettre derrière les barreaux. Vous n'êtes que des bons à rien. Arrêtez-vous immédiatement. Arrêtez-vous, je vous dis. Voilà qui va les ralentir. Oh, Milou. Oh non.
Milou, ça suffit. À chercher. Morphol, transforme-toi en maison. Attention, les voilà qui arrivent. Et en voilà encore une. Salut! Un crocodile! Bien joué, Morphol! Maintenant, rendons à chacun sa maison. Incroyable, Mila et Morphol. Grâce à vous, tout est redevenu normal. Et vous là-bas, arrêtez. Voler du fromage, hein? Ah non, pas dans ma ville. Voilà, messieurs, comme vous l'avez commandé, beaucoup, beaucoup de robots. Parfait. Je suis heureux que vous ayez aimé les précédents, mais pourquoi avez-vous besoin de tout ça, si je peux me permettre? Pour rien, professeur. Et s'il vous plaît, continuez à en construire pour nous. Mila, je veux récupérer ma voiture jouée. Voiture jouée? Je n'ai pas ta voiture jouée, Hugo. Si tu l'as, je t'ai vu la prendre. Si tu ne me la rends pas, je vais le dire à ton père. Mila n'a pas de voiture jouée. Bien, comme tu voudras. Hugo, attends! Ah, te voilà, Mila. J'étais en route pour un rendez-vous très important et tu m'as jeté de la boue. Mais je n'aurais jamais fait ça. Maintenant, je dois rentrer à la maison et me changer. Mais je n'en ai pas fini avec toi, jeune fille. C'est de la folie, Morphol. Nous devons découvrir ce qui se passe. Transforme-toi en hélicoptère. Morphol, regarde. Oh, Mila fait du désordre. Mais, oh, Morphol, ce n'est pas moi, je suis juste là. Oh, ce doit être un robot. Poursuis-le, Morphol. Transforme-toi en aimant. Allons le mettre en prison. L'officier Latôle saura quoi faire. Officier Latôle, nous avons attrapé un robot qui cause des problèmes. Tu veux dire, comme celui-là? Hein? Quoi? Combien y en a-t-il? Professeur, nous avons besoin de plus et des robots. Ouais, je travaille aussi vite que je peux. Je suis sûre que les robots sont partis par là. Là, là, beaucoup de Mila. Ah,
va nous chercher des glaces, robot. Ok. Il faut qu'on récupère cette télécommande, Morphle. J'ai une bonne idée. Suis-moi. Regarde, c'est Morphle. Morphle. Attrapez-le. Où vas-tu comme ça, petit robot? Mais qu'est-ce que... Tous les robots, attrapez les bandits! Non! 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 Et bien sûr, vous étiez derrière tout ça. C'est vraiment étroit ici, Stan. Non, bougez les robots. Non, Morphle, attrape les bandits. Non, Morphle, bandit, attrape les bandits. Glace, non. Oh, regarde, Morphle, hein? Nom d'une éprouvette, à l'aide! Les voleurs des cadeaux de Noël ont utilisé ma machine à remonter le temps pour voler un T-Rex dans le passé. Mais maintenant, on n'est plus les voleurs des cadeaux de Noël. Maintenant, on est les dino-voleurs. Morphle, transforme-toi en voiture de police. C'était passé difficile, n'est-ce pas? Non, maintenant c'est notre ville. Voilà, messieurs. Bienvenue dans ma ville. T-Rex est blessé au genou. Morphle, change-toi en ambulance. Une grande ambulance pour dinosaures. Je crois que ce sera un peu trop petit. Morphle, transforme-toi en grue. A sauté hors des buissons et a rugi. C'est tout pour ce soir. Bonne nuit, Mila et Morphle. Bonne nuit, papa. Morphle fait peur à Mila et Morphle aussi. Crocodile? Ça ressemble plus à une balle pour moi. Rires.
chose de bizarre. Découvrons ce que c'est, Morphle. Oui. Ne t'inquiète pas, Morphle. Il n'y a pas de buisson d'où les animaux effrayants peuvent sauter. Ouf. On va lui faire peur, Morphle. Allons à la plage, Morphle. C'est parti. Morphle, transforme-toi en sous-marin. Salut, monstre des mers. Nous voulons faire peur à Orphle. Veux-tu nous aider? Une pomme. Une pour toi. Une pour toi. Hey, alors ça, c'est pas gentil. Je crois que j'ai vu un Morphle vert. Il m'a pulvérisé de l'eau au visage quand je nourrissais les éléphants. C'est sûr que ça ressemble à Morphle. On va le trouver. Hé, les éléphants, savez-vous de quel côté est parti Morphle? Merci. Allons-y, Morphle. Hé hey là, petit gars, qu'est-ce que tu fais par ici? Vous allez bien, Lorenz le bâtisseur? Ouais, je vais bien, ça va. Bah, ne le laisse pas s'en tirer comme ça, hein. Ici quelque part. Regardez. Hein? C'était Orphle. Vite, poursuis-le. Cet Orphle est trop bon à se cacher de nous. Je ne sais pas quoi faire, Morphle. Si, on doit pas se cacher.
Ça me donne une idée, Morphle. Si nous nous cachons, il va s'ennuyer et venir nous chercher. Oh! On abandonnerait si facilement, n'est-ce pas? Et si on essayait de jouer à cache-cache sans effrayer personne? Ok, tu ferais mieux de te cacher, parce que nous arrivons. Tu as besoin d'aide, papa? Morphle peut se transformer en toutes sortes d'outils. Oh, ce serait super. C'est beaucoup de travail de construire un cabanon. Morphle, transforme-toi en marteau. Waouh, ça a l'air super, Morphle. Par contre, c'est un peu petit. Ne t'inquiète pas, on peut l'agrandir. Pas vrai, Morphle? D'accord. Alors, je vais commencer à peindre l'intérieur. Ah, voilà qui est parfait. C'est l'heure de faire une pause. Et si nous ajoutions une autre partie, Morphle? Comme ça, papa aura encore plus d'espace. Mila, qu'est-ce que vous faites? Nous construisons un abri de jardin. Ce sera le plus bel abri de tous les temps. Que ce soit le plus bel abri de jardin, il faudrait un toboggan et aussi un balcon. Oh oui, vous avez raison. Il faudrait qu'il soit plus haut. Mais nous avons utilisé tout le bois. Alors, allons en chercher d'autres. Morphle, transforme-toi en camion belle. Morphle, change-toi en scieuse et va couper tous ces arbres. Jusqu'à l'abri. Ok, Morphle. Maintenant, fais monter l'abri le plus haut possible. Comme ça. Ah oui, c'est le plus bel abri de jardin de tous les temps. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, que penses-tu de ton
de jardin. Descendez-moi de là. Oh. Ah, bien sûr. On a oublié de construire une échelle. Ne t'inquiète pas, papa. On est sur le coup. Marfel, allons chercher plus de bois. Non. Me laissez pas tout seul. Mila, Marfel, vous êtes toujours là? Tu devras d'abord vaincre ma voiture vivante. Je vais prendre ça, petit bonhomme rouge. Et si tu essayes de me suivre, tu devras d'abord vaincre ma voiture vivante. Oh, oh non! Ne t'inquiète pas, on va l'attraper, Marfel. Et Mimi, remets cette voiture dans son état normal. Trouver quelque chose de mieux. Marfel, transforme-toi en super-héros. Maintenant, survole-le, Marfel. Et si tu veux vraiment ta poupée, tiens, prends-la. Oh non, Mister Action. Non, attends, Marfel. On doit attraper Professeur Evil. Libérez-les ou subissez-en les conséquences. Monsieur Action est toujours en train de tout gâcher. Eh bien, pas aujourd'hui. Allons-y. Hé, où allez-vous? Hé, ça, c'est pas juste. Ouf, je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre. Hé, hey, Mila et Marfel, ma maison a disparu. Vous savez quelque chose à ce sujet? Oui, friandise, oh. Et...
Désolé, doubleur. C'était la dernière boîte de friandises pour animaux magiques. Bonne idée de doubler les friandises, doubleur. Salut, Mila et Morphle. Vous voulez rejoindre notre équipe? Oui! Nous serions ravis de rejoindre votre équipe. Ouais! Morphle veut équipe aussi. Oui! Oh oui! Je pense que Monsieur Kenneth va avoir besoin d'un docteur. Transforme-toi en ambulance, Morphle. On va vous emmener au zoo de l'hôpital, Monsieur Kenneth. Oh, merci, Mila. Oh, mon Dieu! On dirait que vous avez fait une sacrée chute. Venez donc avec moi. Je pense que ce sandwich a mal tourné. Est-ce que ça va, monsieur le maire? Eh bien, je me suis déjà senti mieux. C'est pas bon. Nous devons
aussi chez le docteur, Morphle. Transforme-toi encore en ambulance. Kenneth a besoin de beaucoup de repos, donc pas de bêtises en conduisant, Rudy. Laissez-moi deviner, verre de jalousie? Oh, mauvais sandwich. Suivez-moi. Entrez, je vais voir ça. Ok, tout le monde se cache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je t'ai trouvé. C'était facile. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça me démange. Morphle, je pense que tu dois encore te transformer en ambulance. Ok. Et à partir de maintenant, faites plus attention à la nourriture avariée. Oh là là. Quelle journée chargée! Ça me démange vraiment! J'en suis sûr. On dirait que tu as une réaction allergique. Viens avec moi. J'ai de la pommade pour ça. Ah! Tu vas bien, Morphle? On dirait que notre petit assistant a besoin d'un coup de main. Tu vas mieux maintenant? Oui. Jouons au chevalier. Morphle, change-toi en bulldozer pour nous construire un château de sable géant. Peut-il bien être d'après toi? Il est tellement gros, ce doit être un œuf de dragon. Emportons-le dans le château pour le protéger. Morphle, change-toi en dragon. On dirait bien que c'est un œuf de dragon. Bientôt, nous, les pirates du ciel, aurons notre propre dragon. Hein?
courage. Donne-moi cet œuf! On l'a trouvé? Alors on le garde! Et moi, c'est moi qui l'ai volé! Ah! Vous avez trouvé mon œuf d'autruche! Je faisais une livraison spéciale. Quand un singe effronté a jeté ce pauvre œuf par-dessus bord. Et depuis, ben, je le cherchais partout. Allez, petite autruche, je te ramène à la maison. Oh. Oh. Morphel, change-toi en camion de pompier. Hugo, tu veux faire un tour dans un vrai camion de pompier? C'est pas un vrai camion de pompier. Mon grand frère Gaston, lui, il est pompier. Et je peux faire un tour en camion quand je veux. Ah, une urgence! Maintenant, Morphel va voir ce qu'un vrai camion de pompier peut faire. Ça ressemble à un défi. On s'en occupe, madame. Hein? Et voilà, madame. Nous avons mis votre chat en sécurité. Il y a un immeuble en feu de l'autre côté de la ville. On est plus rapide. Oh non! Ce feu est beaucoup trop grand. On ne pourra jamais l'éteindre tout seul. On n'a qu'à travailler ensemble. Change-toi en camion de pompier volant. Waouh ! C'est merveilleux d'avoir l'aide d'un animal magique. Morphel, est-ce que ça te plairait de vivre à la caserne des pompiers avec moi à partir de maintenant? Morphel peut pas. Morphel, animal de Mila. Je vais te dire une chose, Gaston.
Je crois que je connais l'animal magique parfait pour un pompier. Mouillette, va aider ton nouvel ami humain. Robot Freeze a quatre modes. Éteint, indulgent, strict et vraiment sévère. Il ne faut jamais tourner ce cadran sur vraiment sévère. Pourquoi pas, professeur? Pas de problème. Voyons voir ce que Robot Freeze peut faire. Vous semblez être de gentils enfants. Maintenant, voyons voir s'il peut arrêter les criminels. Avec les bandits qui causent autant d'ennuis, j'aurais bien besoin d'aide pour mon boulot de policier. Marfel, transforme-toi en voiture de police. Parfait. Il faut attacher votre chien. Oh, pardon, officier. Passez une bonne journée, jeune fille. Oh, eh bien, merci. Attention de ne pas envoyer votre ballon dans les fleurs. Dans ma ville. Voilà pour vous une amende. Quoi? Mais... Oh! 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 Mon ballon! Oh non! Quelque chose ne va pas. Robot Freeze a sûrement son mode très strict. Regardez! Quoi? Voilà une amende pour avoir marché sur l'herbe. Ah bah, je ne marchais même pas sur l'herbe, dites donc! Mais vous étiez sur le point de le faire. Quoi? Nous devons tourner son cadran sur un autre mode. Yeah! Inacceptable. Il faut à tout prix qu'on l'arrête. Mais comment? J'ai une idée. Il faudrait que Robot Freeze vienne à nous. Change-toi en mégaphone. Je suis sur le point de marcher sur l'herbe. Stop. Voilà une amende pour vous. Maintenant, Marfel. Phew. Vous l'avez fait, Mila et Marfel. Ah, non. Peut-être que deux policiers, c'est un peu trop. Regardez ces soldats du feu! Voilà ce qu'on appelle des vrais héros! Waouh! Et si nous devenions nous aussi des vrais pompiers, Marfel? Yeah!
maintenant, nous devons trouver un feu. Je ne vois pas de feu. Mais je vois de la fumée. Oh! Et là où il y a de la fumée, il y a un feu. Oh! Oh non! Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Oh, maintenant le barbecue est ruiné. Désolé. Vous croyez que c'est vraiment un endroit pour jouer aux pompiers? Allez donc jouer ailleurs. Oh! Nous devons l'aider à descendre du toit. Le bâtisseur, tu n'es plus coincé sur le toit. Coincé? Bah non, je travaillais sur le toit à la construction d'une cheminée. Bon. Oh oh! J'ai entendu parler de pompiers qui n'aident pas vraiment les gens. Est-ce que c'est vous? Vous devriez plutôt laisser faire le travail aux vrais pompiers, hein? D'accord? Ah, Mila, Murfel, vous êtes là. La ville a besoin de votre aide. Le pompier Gerben sauvait un château des flammes quand il est resté coincé sur le toit. Oh non! Transforme-toi encore en camion de pompier! Oh, merci, Murfel! Maintenant, tu peux éteindre les flammes. Ah, vous m'avez sauvé. J'avais tort à votre sujet. Vous êtes réellement de vrais pompiers. Ouais. Youpi.